Le mercato est terminé. Est-ce que tu penses que le PSG a un effectif outillé pour remporter la Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le PSG a un effectif outil pour remporter la Ligue des Champions? Je rappelle ils ont recruté entre autres Lucas Hernandez, ils ont recruté Skriniar, ils ont recruté Ugarte, ils ont recruté Gonzalo Ramos et récemment Colomani. Ce que moi je veux dire ici, le PSG, depuis environ 8 à 10 ans, ils ont un effectif outil pour remporter la Ligue des Champions. Parce que lorsque tu as les Cavani, parce qu'à l'époque c'était Cavani et Ibrahimovic, lorsque tu as Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Matuidi, franchement, cet effectif-là fait très très peu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le PSG a un effectif taillé pour remporter la Ligue des Champions. Le PSG a toujours eu, depuis que les Qataris sont arrivés, un effectif pour remporter la Ligue des Champions. Pour moi, le PSG devrait plus travailler sur le plan mental. Et je pense qu'ils ont un coach capable de leur faire progresser un cap sur le plan mental. À l'occurrence, c'est Luis Enrique. Parce que individuellement, intrinsèquement, le PSG a un effectif taillé. C'est juste que sur le plan mental, ça coule souvent. Ça coule souvent, donc oui, le PSG a un effectif taillé, mais il faudrait qu'il progresse sur le plan psychologique. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!